Moize wa zamani hadisi zangu zilikuwa hivi. Wewe hauna hata akili, uko pumbafu. Chini wewe nitakuachaka wewe, ni wewe mwingine mwanamke. Wewe hauna mafaa kukunipatisha haya tumu mwingine. Wewe haunifai, haunifai, ilifare ni wewe mwingine. Kulala kwangu naye kuchimwiri ilikuwa magombano. Naye ilikuwa naweka ni mtu wangu. Meneza mfanyizisha binye minapenda. Saa ninapenda na wakati minapenda. Basi, kavuika kuya, nilienda zunguruka chidogo hivi, kume nisha mpika kachipasi hapa kutumbu, kumba likuwa na mimba miezi hini. Direkte nikasikia mwanamke pare, imekuwa fix. Kuenda kuona, damu ilisha anza tiririka. Beaucoup d'hommes nous ont dit, j'ai été auteur de viol avec violence, parce que viol et viol avec violence, c'est des réalités aussi presque différentes. Baraza, comme vous le savez, c'est un terme swahili qui veut dire un cercle. Pour nous, les baraza, c'est une façon de retoucher les cerveaux des hommes. Et c'est une crise pour la jeunesse, surtout pour les garçons. Les jeunes n'ont pas de modèles à copier. Donc il n'y a pas, de responsables qui sont là pour initier les jeunes à devenir des majeurs, à initier les garçons à devenir des hommes. La tante prépare la fille à subir la violence. Parce que la tante, quand elle parle à la fille qui va se marier, elle dit, tu vas dans ce foyer, ne dites jamais non à ton mari quand il demande le sexe. Même si tu es battu, tu dois supporter, tu dois endurer. Donc c'est une façon de dire, tu vas te marier, mais endure la violence. Accepte la violence. Masculinité positive. Congo Men's Network. Au Congo, la musique, c'est vraiment un outil de communication. ASPL. Nous travaillons avec Michael Sambo sur un projet de sensibilisation communautaire. Et l'objectif est de sensibiliser beaucoup des hommes et des garçons. Et les deux chansons se focalisent beaucoup plus sur la masculinité positive. La musique, au fait, c'est une arme. Une arme qui atteint pas le physique, mais ça atteint l'âme. Les hommes qui sont considérés comme les violeurs des droits de la femme, qui sont maintenant impliqués, qui apportent maintenant le changement. Parce que quand l'homme change, ça impacte directement la société. Hii kituo imekuya, hii baraza badirika, ikakuya, vraiment ikadutia kumustari leo, nikiwaza naye anaweza kuwa mshuhuda, tunaanza ongea mzuri, tunafikia kwa hatua ya kufanyile tendo na tuko mzuri na hakuna shida. Meleo hii, tunaanza fika mule kabisa, mina msaidia hata kumtoto. Kama hiko mbingine samu ya mineza kamata na moto, mina konga. Bo, tunasaidia na bitu minakuwa mjepesi. Ilisha kuwa bie, maisha manake ilisha kuwa mzuri. Jule hoi ninaenda mshamba, ananisaidia jembe. Kama anisaidia jembe, ananisaidia mtoto. Membele nilikuwa nateseka sana. Mina kuwa najisaidia niko pale. Kama ndatoka mshamba, mienjo ndapiga, mienjo ndanawisha matoto, anaikala. Tulikuwa tunaanza manake tunagombana. Maake kama hatugombani ni haviwezi wezekana, anakamata mangu, anakatakata. Kama ni makirote, anakatakata. Jomani nasema, bebalietaka hii kikundi, balifanyaka mzuri. Nous avons un rêve d'atteindre les 100% des hommes congolais. Nous avons un rêve de pouvoir en finir avec la violence sous toutes ses formes dans ces pays-ci. Pour que nous puissions rendre ces pays vivables et pour les hommes
et pour les femmes, et pour les filles, et pour les garçons.